Bonjour, je suis Madame Gardel, la maman de Louis. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital Carémaux faire des examens par rapport à l'autisme de Louis. Et on va faire le point car Louis a certains problèmes. Et comme j'avais promis à certains parents, en même temps, ça permet de montrer toutes les démarches qu'il a effectuées pour tous les soins liés pour ma part à l'autisme, mais bien d'autres, puisque moi je le fais dans ces démarches-là. Mais pour les autres enfants, c'est aussi ceux qui ont des problèmes psychologiques, etc., etc. C'est à peu près le même principe. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure quand je serai à l'hôpital carrément. À l'hôpital avec Louis. Fais coucou, Louis. Fais coucou. Et dans Fais le coucou. noir, derrière le Mais non, mais tu fais brouillard, pas coucou, Louis. j'entends ce Mais dis piano coucou. chanter. Bonjour, Louis. Je On va mettais où? l'espoir, Et on l'envie va de faire quoi? croire qu'on peut tout On va voir le réinventer. docteur? Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix. Encore une fois, pour trouver le courage. C'est bon, t'as appuyé? Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Il n'y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Il n'y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est une même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois, ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. C'est exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire. Qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. La musique.
Lyon 3.